Les astropoteaux! Je suis monté au-dessus de chez moi. Je sais pas, c'est même pas une minute, deux minutes en voiture. Ce soir, il n'y a pas un nuage et il y a la pleine lune. Du coup, je suis parti pour shooter la pleine lune d'abord. Je sais pas à quel point je vais la voir à 200 mm. On va se mettre pas trop loin comme ça. Ouais. Je vais essayer de vous faire le point sur moi. Et on va éteindre le camion. Éteins-toi. Ouais, je vais pas retrouver ma frontale. Avant de partir. Bon bah voilà, ça me va bien. On va essayer une petite photo à 70 mm. Ah ouais, mais je l'aurai jamais comme ça. Et maintenant c'est opération 24 mm. Essayez de faire une pause longue là-dessus. Avec le paysage éclairé par la pleine lune. Allumage de la fusée qui emporte ma carcasse usée. Je n'ai plus d'âge, plus de porte, plus de crasse à mes pieds. Dans l'espace, une grâce sensationnelle. La place d'être lasse, des sens additionnels. Débrancher les écrans. Envoyer le son, attendre patiemment la prochaine chanson. Je déconnecte mon intellect, mec. Plus de plis, de collecte, de prise de bec.
c'est pas moi qui conduis. Y'a des IA pour ça. Entre mes rêves infinis, j'ai tout mon temps pour moi. Et quand je reviens, je suis tellement moins lourd. Oh putain, je suis tellement bien. Je suis tellement sourd. Bon, ce qui est bien là, c'est que je vais pouvoir faire la mise au point à l'infini sur le sur le 24 mm sur la lune. Alors, on va voir que je te chope. Et voilà. Et là, je suis sûr que je suis sur une mise au point à l'infini. Alors, j'ai toujours oublié ma frontale. Vas-y, viens voir là, toi. Je désactive l'autofocus. Oh ta mère. Voilà, j'ai désactivé, j'ai pas la stabilisation non plus. Je me suis mis sur 2 secondes de retardateur, comme ça je vais pouvoir cliquer. Et en 2 secondes, il n'y aura plus de vibration. Je suis à 24 mm, je suis sur ma mise au point infini grâce à la lune. Et maintenant le but, c'est de faire un super panorama. Je me suis mis sur des pauses de 30 secondes, je sais pas du tout ce que ça va donner. On va se mettre comme ça déjà. Là, j'ai un beau flair. Est-ce que je mets le flair dans la lune ou... Ouais, c'est ça. Comme ça. Ah oui, il y a un truc quand même que je vais regarder. Il y a un petit niveau intégré à l'appareil photo. Si tu appuies sur info plusieurs fois, tu tombes dessus. Je vais mettre deux niveaux. Voilà. On n'oublie pas de l'éteindre. Comme ça. Hop. Et c'est parti. Et parti pour 30 secondes de pause. Ça fait long 30 secondes. Je vais tellement aller me chercher une petite clope. Seulement, faut que j'attende que ça finisse, parce que si jamais j'ouvre le camion, ça va faire de la lumière. Bah oui. Je sais plus à combien je me suis mis, là. Je sais que j'ai mis 30 secondes, mais est-ce que c'est 1600 ISO? Est-ce que c'est 800 ISO que j'ai fait? Alors, moi, j'ai pas mis la revue, donc il faut que je me le regarde moi-même. Alors, c'est cramé de chez cramé, mais par contre... On voit bien ça. On va essayer genre à 100 ISO. Juste pour rigoler, 100 ISO. Et genre... Ah non, c'est pas ça. Hop. Et genre on va se mettre à F8. Oh ouais, ça va être rigolo ça.
Alors, qu'est-ce que ça dit 30 secondes à 100 ISO? Hein? Ouah, comment c'est joli! Il y a des beaux flairs, la lune elle est cramée, on voit pas le paysage. Mais par contre, je vais pouvoir genre récupérer le ciel de celle-là. Et l'autre? Ah ouais. Est-ce que j'essaye de le faire à F4 quand même? ISO 100, 30 secondes, machin, et à F4, j'ai dit. Ouais, alors je vous ai pas dit, mais on est le 25 mai 2021, il est 11h10, c'est la pleine lune, enfin la veille de la pleine lune, elle est à 90% la lune là. Et du coup, je suis monté au-dessus de chez moi. Ah, c'est joli comme ça aussi. Un coup à F4, un coup à F8, c'est pas mal. Alors, voyons voir. Hop, j'étais là, je vais me mettre là, bon les mecs de YouTube là, vous allez être dans le champ de ma photo, bande de nazes. Voilà, faut pas fumer à côté de l'astrophoto, d'accord? Parce que sinon il y a de la fumée qui va devant. C'est l'évidence même. Merde alors. En plus là j'ai pas mis le cache de mon œilleton. J'espère que je vais pas avoir des flares de la lune après là. Enfin bref ouais, j'ai pris mon petit Renault Trafic là. J'ai pris un chemin de campagne là. Qui remonte un peu entre la forêt et le champ là, parce que derrière moi c'est la forêt comme vous voyez. Et là on a le bel éclairage de la lune. Alors forcément vous me voyez pas, mais je vous assure qu'on voit comme en plein jour là, ou presque. Par l'écran là que j'ai pas envie d'allumer en orange parce que ça pourrait faire des lumières et des reflets internes. Alors qu'est-ce que ça me dit? Oh. Ah mais c'est joli. On va peut-être même pas faire à F8. Par contre, ce qu'on va faire, c'est monter les ISO. On va monter genre à 800 ISO. C'est marrant, depuis tout à l'heure, j'entends des bêtes dans les bois derrière moi. Je sais pas si vous aurez quelques bruits, vous aussi. C'est trop cool, il fait bon ce soir, je me suis habillé comme un fou, j'ai mis un pantalon alors que j'étais en short, mais en vrai j'aurais pu presque être en short là, tellement il fait bon. J'ai la grande ours juste au-dessus de moi là, presque au zénith. Et du coup, avec la lune, je vois pas toutes les étoiles de la petite ours, presque, mais pas toutes. Je vois le carré, mais il m'en manque dans la queue là. Après, je vois bien la polaire, hein, ça, il n'y a pas de problème. Bon, alors, qu'est-ce que tu me dis, toi, à 800 ISO? Ah ouais, à 800 ISO, déjà, t'es super bien exposé, là. Excellent. Bon,
Allons par là. Là-bas, il y a les lumières de la ville. L'appareil photo qui est là. Super. Ça va faire un panorama d'enfer. Vu que j'ai pas ramené le cache, je vais faire de l'ombre à mon œilleton parce qu'il y a la lune qui tape dedans là. Salope. Oui, je suis désolé. La vulgarité. C'est un plaisir. Je veux dire, je suis avec les enfants toute la journée, je me retiens. Là, je suis tout seul dans mon champ, tranquille. On va pas m'empêcher de dire des vulgarités, quand même. Si ? Oh, c'est pas mal. On va la refaire, parce que... j'ai touché la PN, ça a peut-être tremblé. Ça prend pas longtemps de le refaire. Voilà, ça c'est parfait, on va se mettre à F8. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une composition entre le ciel et F8 et 100 ISO peut-être. C'est pas ça. ISO 100. C'est la première fois que je viens là. Mais bon, là, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'astrophoto ou de trucs comme ça. Ce soir, c'est la pleine lune, certes, mais ça n'empêche pas de s'amuser avec des petits paysages de nuit, quoi. C'est sympa. C'est toujours rigolo. En plus, je vois des lumières là-bas. Il y a des éoliennes, manifestement, parce que ça arrête pas de clignoter les lumières rouges. Alors, ça me dit quoi ? Oh, ça va rien du tout. Attends, on recommence. Ah oui, aussi le but de ce soir, c'est de faire du one shot. Je vais pas empiler le ciel, tu vois. Je vais juste faire des one shots. Je vais faire un petit panorama de one shot. J'ai pas besoin que le ciel il soit ouf, tu vois. Oh putain, là, elle est trop belle celle-là. Magnifique. Bon. On continue le panorama.
Pas mal du tout aussi. Oh, attends, je vais m'asseoir, j'en ai marre. Ah, la bonne terre humide, ça fait du bien. Oh, j'ai mis un pantalon Cradoc, je savais que je venais ici. Ah, j'ai vraiment fait... Ouais, on va dire... plus de 200 degrés, c'est sûr. Alors j'ai peut-être fait 260 degrés pour l'instant. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des nuages, du coup ça va bien mettre en lumière les différentes sources de pollution lumineuse que je peux avoir autour de moi. Elles ne sont pas hyper violentes hein, non plus. Non, qu'est-ce que ça dit par là? Ah, c'est joli aussi. Alors du coup, faut se mettre à la fuite maintenant. Salope. Ah, c'est bien en CESA aussi. S'il y en a qui ont fait du kendo, je suis trop bien en CESA là. Ou de l'aïkido, ou du karaté. Ou, Excellent. En plus, en ce moment, ma femme, elle me fait poser du grillage pour les chiens, là. Mon Dieu. Pour le chenil des chiens, en fait. Je mets du grillage. Du coup, je suis bien rincé. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller au fond du champ, là-bas. Voyons voir si celle-là, elle est bien. Elle est plutôt pas mal, celle-là. Excellent. Excellent. Je vais aller au fond du champ là-bas. Et je vais prendre mon camion dans les étoiles. Vous allez voir, ça va être sympa. Et ben voilà, ce que tu vois clignoter au loin là, c'est des éoliennes qui sont toutes en ligne. Parce qu'il y a du vent par chez moi. Il y en a aussi par là-bas. Ah oui, non, c'est pas cette molette là. Il y en a aussi par là-bas. Voilà, on les voit bien là-bas. Là-bas, c'est vers la lune là, par là. C'est joli, on voit bien vers la lune là. Elle est là-haut, la lune, attendez. Là voilà la lune. Oh d'ailleurs c'est quoi, c'est une chauve-souris qui passe devant là ou quoi? Bon. Moi je vais aller au fond du champ par là-bas. Et je vais prendre en photo mon camion, l'appareil photo qui est en train de filmer tout ça.
Allez, viens. Je suis un chat, un panda roux. Je suis un rat, de passant un fou. Je suis un lézard, un serpent, un tocard, un élan. Tu es une cigogne, tu es une louve. Une furette qui grogne, une poulette qui couve, une petite marmotte et un loir, une antilope et un jaguar. On a une tigresse, un kangourou, une chauve-souris, un petit hibou. Un petit crapaud, une puce, une licorne, une russe. Y'a pas de raison, y'a pas de saison, y'a plein de chansons dans cette maison. Tout est ouvert, y'a de l'air, tout est bleu. Mm-hmm.